tout le monde. Alors, je vais vous faire aujourd'hui le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher 2019. Alors, je suis juste dégoûtée parce que j'ai quand même enregistré deux fois la vidéo et ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, je vais quand même vous refaire la vidéo. Mais j'espère que cette fois, ça sera la bonne. Donc, tout d'abord, on reçoit dans un petit carton comme ça mon calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Et après, pour... Donc j'étais en pleine ouverture d'ailleurs, hein. On a pas mal de vernis, je voudrais pas spoiler mais c'est pas mal. Et à l'avant, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure parce que là, les boîtes elles partent un peu en live, c'est un peu le défaut du calendrier, mais sinon tout va bien. Il faut juste que je pense à la fin à vous montrer, ce sera pas forcément dans l'ordre, mais vous verrez quand même le devant. Et ce qui compte surtout, c'est le contenu des produits. Enfin, des boîtes. Donc numéro 1, petite boîte comme ça. Tac. Je vais le connaître par cœur moi. Donc c'est un parfum sel d'azur en échantillon. Il sent... Je l'ai carrément mis dans ma narine. Faut pas abuser non plus. Il sent... pas très forte en description honnêtement, mais j'aime bien. Alors après je vous donnerai comme conseil d'aller le sentir parce que les goûts et les couleurs pour les parfums dans vos magasins les plus proches. Mais bon, c'est quand même un échantillon, c'est un peu dommage pour le premier jour de décembre. Numéro 2. Surtout qu'en général ils nous font toujours des beaux cadeaux, donc ils nous ont habitués à mieux. Sinon, en termes généraux, je trouve qu'il s'améliore beaucoup pour le packaging. Je ne vous ai pas montré. Enfin, je vous montre les boîtes. C'est pareil. Et je trouve que, ouais, il s'améliore beaucoup. Sur les produits également. Ah, là, c'est pas mal. Voilà. Édition 2019. Donc, il y a toujours deux éditions. Et là, c'est l'édition premier flocon en 50 ml. Qui sent un peu, tout à l'heure, je l'ai déjà senti, un petit peu la mangue. Donc c'est une odeur très douce et j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, vous verrez tout à l'heure, mais j'aime bien celle-ci quand même. Voilà. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Il est où le numéro 3? Là. Donc les boîtes, je vais me répéter dans cette vidéo, mais elles sont très belles. Un shampoing en 50 ml, la gamme Nutrition, qui fait partie de leur nouveauté pour les cheveux secs. Toujours utile. Donc ça, vous savez qu'ils sont experts pour les gels douches et les shampoings. Donc ça, c'est très bien. Numéro 4. Il est là. Ça c'est pas mal, ça change des limes à ongles. Donc c'est un polissoir, ça c'est très bien, j'en avais pas. Avec les différentes étapes, donc vous avez limé, lissé, après vous avez polir et faire briller. Voilà, après numéro 5. Numéro 5, tu es où le numéro 5? J'ai demandé le numéro 5. Il est là. Très jolie boîte aussi, comme ça. Alors, une eau micellaire en 50 ml. Peau sensible. Très bien. Donc ça, je vous réfère à la vidéo de Nana Vlog que j'aime beaucoup, qui est très naturelle et qui explique très bien les produits. J'aime bien sa chaîne, en fait. Et elle disait que même les personnes qui ne se maquillent pas, si vous faites le test avec une coton, la peau, elle est totalement entre la pollution de l'air, etc. La peau, elle est très, très sale en fait. Donc moi, j'avais tendance juste à me rincer tous les matins et les soirs après ma douche à l'eau claire. Et franchement, ça, il faudrait l'avoir matin et soir, effectivement. À la place même de votre savon, vous savez, vous faites comme d'habitude à l'eau claire. Vous mettez
On a un coton, vous faites cette étape en plus et après vous mettez votre crème de nuit ou ce que vous devez mettre après. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même très important. Numéro 6. Wookie, il me fait n'importe quoi. C'est un chat, il fait que des bêtises. C'est compliqué de gérer tout ça. Ah, une base pour le vernis. Donc, vous pouvez mettre avant, mettre le vernis et en mettre après pour que ça tienne plus. Et sinon, vous pouvez le mettre tout seul pour durcir, pour faire durcir un peu les ongles. Ça va, Wookie? Il m'a l'air un peu foufou, là. Je sais pas ce qu'il a. Numéro 6, que voilà. Numéro 7. Crème hydratante en 7 ml sensitive végétale, ça j'aime moins, c'est vraiment échantillon. Comme je vous disais, Yves Rocher, souvent les cadeaux, ils sont quand même assez généreux, donc là c'est un peu dommage. Alors j'ai pas précisé, il fait 39,99 le calendrier, je l'ai acheté sur yvesrocher.fr, j'ai eu des cadeaux et 3 arbres plantés, voilà. Et vous pouvez payer aussi 2 mois, vous cochez la case et 2 mois après, bon, j'aurais pu tout payer, mais concrètement, pour échelonner un peu le commencement des cadeaux, plus les calendriers, que j'en ai pris 3 cette année pour moi, ça fait quand même pas mal. Je voulais vous dire l'info, voilà, parce que je sais que ça, c'est pas forcément beaucoup dit, donc voilà. Numéro 8. Joli, hein, numéro 8, c'est comme ça. Ah, ben voilà, un petit vernis après la base. Donc moi, je suis très vernie, donc c'est très bien. Donc c'est le 41 Garance, si jamais vous voulez avoir la référence. Ensuite, on a le numéro 9, que voilà, avec le sapin. Déjà le sapin. Ah voilà, ça c'est mon préféré, donc c'est assez marrant, c'est au cœur des sapins en 50 ml. Ah ben je comprends mieux la référence, effectivement. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y en a plein qui disent que ça a une odeur un peu vraiment de verdure, en fait, et qu'ils n'aiment pas du tout. D'autres qui disent qu'ils adorent. Moi, je pense que c'est mon préféré. Je fais partie de la team qui adore. Parce qu'il y a un peu cette odeur de verdure, mais en même temps, il y a quand même une odeur un peu plus boisée derrière. Donc, j'aime bien, moi. Ça fait très, très Noël, en fait. Et ça change un peu tout ce qui est un peu ambré, épicé. Je commence de plus en plus à aimer ça. Je trouve que ça laisse un caractère derrière, donc j'aime bien. Et puis sous la douche, en plus, l'odeur peut totalement évoluer. Donc voilà, à voir. Mais moi, c'est ma préférée pour le moment. Numéro 10. Très discrète et très jolie. Mais c'est vrai que voilà, la 9 avec le sapin, effectivement, c'est la catégorie sapin dedans. Je viens de faire le rapprochement. Dommage, j'aurais moins la surprise pour Noël. Donc là, vous avez le gommage végétal poudre d'abricot en 30 ml pour le corps. C'est pas mal pour tester. À faire une à deux fois par semaine. Je dirais peut-être plus une fois d'ailleurs. C'est pas mal déjà. Voilà. Le 11. Oui, donc après, s'il y en a qui ne voulaient pas être spoilés, de toute façon, ça sera marqué dans le titre. Donc voilà. Ça sera marqué directement. Spoil calendrier Yves Rocher 2019. Donc voilà. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais je le marquerai dans le titre. Qu'est-ce que c'est? Ah, au micellaire encore, mais cette fois-ci, toujours le même, 50 ml. Cette fois-ci, c'est en deux en un, donc si vous voulez, ouais, c'est une deuxième eau micellaire en fait, parce que toutes les eaux micellaires font plusieurs fonctions. Donc on a deux eaux micellaires, écoutez, on n'en manquera pas. De toute façon, les grandes, j'arrive jamais à les finir, je ne sais pas vous. Donc voilà, c'est pas mal d'en avoir deux petites, même si on part en vacances par exemple. Ce ne sera pas mon cas malheureusement, mais bon, peut-être après, qui sait, vers février. Numéro 12, tout. Moi, c'est vrai que je suis dans le commerce, donc c'est pas pour raconter ma vie, mais du coup, à Noël, je travaille pas mal, quoi. Alors, numéro 12, mais bon, ça n'empêchera pas d'utiliser les produits. Il est où le numéro 12? Ah, il est là. Il est super joli, le numéro 12, vous avez vu? J'aime bien. Alors, oups, là, parce que c'est...
Ah, c'est un parfum. Je crois que c'est le parfum plein soleil, comme je l'ai déjà ouvert tout à l'heure. Et j'ai fait pas mal de... Ouais, c'est ça. C'est un super bon, il sent encore dans... Il sent encore. Je préfère même celui-là au premier, vous voyez. Il a une odeur un peu plus... un peu plus chaleureuse, on va dire, ouais. Pareil, je vous laisserai le sentir, parce qu'il y a pas mal de nouveautés parfums à Yves Rocher. Donc, je vous laisserai sentir tout ça. Numéro 13, si je dis pas de bêtises. Que voilà. Ça s'améliore de plus en plus, ça, honnêtement. Alors, c'est un lait corporel 50 ml au cœur des sapins. Voilà, vous aurez compris, mon édition favorite. Et tout à l'heure, je l'ai senti. Il sent moins fort pour ceux vraiment qui ne veulent pas cette odeur que le bain mousse. Donc pareil, à voir selon vos préférences. Des fois, la texture et le produit changent un petit peu l'odeur, on va dire. Numéro 14. Ah ben, classique, j'ai envie de dire, le mangue coriandre, le préféré pour beaucoup. Hein. Donc un gel douche en 50 ml. Dommage qu'il n'y ait pas le gel douche, vous savez, 60 douches, où vous mettez juste une noisette et ça fait plusieurs douches. Ça aurait été pas mal aussi de le mettre, mais bon, il est un peu plus ancien, c'est vrai. Là, en même temps, ça les arrange, ça fait découvrir un peu des nouveautés. Et en même temps, on a quelques produits best-seller, en fait. Numéro 15. Qu'est-ce que c'est le numéro 15? Ah, le premier produit maquillage, pour ceux que ça intéresse. Bon, moi, ça tombe bien, je suis plus soin que maquillage. Mais c'est vrai que si vous êtes maquillage, vous allez peut-être moins aimer ce calendrier. Cependant, vous avez quand même un petit jumbo, donc très pratique. Couleur marron, un petit peu violine. Voilà, moi juste avec ce crayon-là, on peut mettre aussi sur les lèvres, mais peut-être pas cette couleur, à part pour celles qui veulent vraiment oser. Et après, moi, le souci, c'est que je pense qu'il faut mettre une base, par contre, parce qu'à chaque fois, moi, ça file dans mes plis paupières. Donc, voilà. À retester, je pense, avec une base. Numéro 15. Mais c'était pas celle-là particulièrement, hein, de Jumbo. C'est... Quoi que si, peut-être. Je sais plus. Cependant, depuis, ils ont peut-être reformulé. Ça fait un moment que je suis pas allée à Yves Rocher. Et en même temps, mettant une base, ça serait plus simple. Numéro 16. Qu'est-ce que c'est? Ah, pas mal. Un bain douche lavant réconfortant beurre de karité. 30 ml. Ok. Le 17. Désolée, la vidéo dure un petit moment. Juste espérons que cette fois-ci, ça va pas m'enlever la... J'ai effacé des vidéos, normalement ça devrait aller. Je devrais avoir de la mémoire. Ah, pas mal. Cheveux secs, masque 2 en 1 en 30 ml. Voilà, donc pour aller avec le shampoing de tout à l'heure. Ça c'est un bon combo. Numéro 18. Ça sent Noël, et même mon chat, il est à côté de moi, là, c'est trop marrant. J'ai l'impression d'avoir un enfant à côté de moi qui se demande ce que je fais, quoi. Alors, un petit vernis également, rose, comme ceci. C'est 103 Camélia Nacré, si vous voulez savoir. Super joli. C'est assez varié, quand même, c'est bien. J'aime bien. Malgré qu'il y a une ou deux cases où c'est bof, mais après, il se rattrape. Sur la voie d'amélioration quand même, Yves Rocher. 19. Qu'est-ce que c'est? Oh, dommage, j'étais en train de dire du bien de vous. Crème hydratante en bébé format, quoi. Voilà, concrètement, même les cadeaux qu'ils donnent à l'année sont plus gros que ça. Dommage. Mais bon, on va pas râler, il n'y a pas que cette case, donc ça va. Il y a quand même beaucoup de full size.
Numéro 20. Après, c'est vrai que 39,99, je sais pas, peut-être qu'il pourrait le mettre à 29,99. Mais bon, après, je sais pas, il faudrait faire un calcul un peu des produits. Numéro 20. Ah, pas mal, une petite crème pour les mains en 30 ml. Premier flocon, bon moi je préfère au cœur des sapins, vous l'aurez compris, cette année, mais cependant je la porterai parce que j'aime bien aussi. Après, numéro 21. Numéro 21. J'aime bien parce qu'en tout cas dedans ils nous mettent bien les éditions limitées de Noël et tout, donc c'est sympa je trouve. Ah très bien. Nouveauté également, bain douche à MAM 50 ml à l'argan et à la rose. Donc déjà l'odeur de l'argan j'aime beaucoup et je peux vous dire que l'argan et la rose mélangés ensemble ça sent très bon. Voilà, 21. Numéro 22, je crois que c'était celui-là. Voilà, c'est là que ma batterie tout à l'heure avait coupé. Donc encore un vernis, vous aurez compris qu'on a trois vernis. Moi je suis fan de vernis donc ça ne me dérange pas. Et c'est cerise noire celui-là. Donc vous aurez compris par contre que les vernis, la base de vernis, c'est quand même pas mal. Hein. Il est pas mal garni, c'est le cas de le dire, ce calendrier. 22, après 23. En tout cas j'aime bien le principe des boîtes, je sais pas s'il était comme ça les années précédentes, je m'en rappelle pas. Mais je crois que c'est la première année que j'achète d'ailleurs le Yves Rocher, me semble. Ou alors je le prenais, mais c'était pas sous forme de boîte comme ça. Je crois pas, du moins. J'aime bien, je trouve ça pratique et réutilisable, surtout. Donc ça va bien également avec leur politique de vente. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore un petit mascara sourcil. Je sais pas si ça je vais l'utiliser. C'est un genre de brun. Ouais, je sais pas si je vais l'utiliser ça. Donc en complément de cadeau de Noël, ça peut être pas mal également. Bien sûr, il faut bien connaître la personne. Sinon, je sais pas. Sinon, je verrai si je trouve pas quelqu'un à qui le donner, tout simplement. Alors, celui-là, il a 24, il n'a pas 25. Ouais, il a 24. Il n'y en a qu'un qui a 25, d'ailleurs, dans mes calendriers. J'ai pris le Look Fantastique, le Glossy Box et le Yves Rocher. Je sais, mais je suis un petit peu lâchée cette année. Et je crois que le 25, il y en a un qui a 25, je crois le Glossy Box, il n'a pas 25 parce que le 24, c'est un gros cadeau. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Et le Look Fantastique, je crois pas qu'il ait de 25 non plus. Ah, j'aurais pas de case le 25 alors. Bon, je sais pas, je regarderai, mais au pire des cas, c'est pas très grave. Hein. Je vais avoir trois calendriers à ouvrir, donc voilà, c'est pas très grave. Le 24, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la veille du jour de Noël justement, j'espère. Bon allez, je vous laisse deviner. Et ben ouais, un rouge à lèvres, super, donc une laque à lèvres même. Donc vous savez, c'est le grand rouge, l'élixir. Donc c'est vrai que celui-là il est vraiment très bien, hein. Quand ils l'ont sorti il a fait vraiment succès, donc j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, ouais, il est très bien. Je l'avais déjà, celui-là. Et j'en ai plus, donc voilà. Bon, bah écoutez, pour Noël, on sera donc lavé, on sera verni, on sera shampoigné et le démêlant. On aura le parfum. On aura également le rouge à lèvres. Et pour mettre pour les yeux. Finalement, elle est quand même assez complète quand on regarde comme ça. Et on a même la crème pour les mains, si vraiment on a envie en plus de se chouchouter avant de partir au repas de Noël, par exemple, le lendemain. Ben écoutez, franchement, très bien, je suis très contente. Donc je vais juste le refermer comme il faut et attendre décembre maintenant pour l'ouvrir. Donc sinon, ben voilà, il est comme ceci. Est-ce que vous allez voir comme ça? Non, je vais vous mettre comme ça plutôt. Voilà, donc il est très joli. Et c'est marqué « La nature est le plus précieux des cadeaux ». Et après, il est là, dedans, directement. Je vais le reglisser dedans, désolée. Je reviens. Tac.
Hop, il en reglisse dedans parce qu'il n'a pas non plus de nœud pour fermer, vous savez. Donc au moins ça maintient les produits. Voilà. Désolée pour le bruit. Et voilà, mon calendrier de l'Avent. 24 jours, 24 coups de cœur. Voilà, super. Et ce que j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, c'est qu'il était dans une grande boîte et dans une petite boîte. J'ai eu un cadeau, je crois que c'est une crème jour, la gamme verte, l'élixir jeunesse. Voilà, donc écoutez, que vous dire de plus à part que je suis contente. Et puis je vous laisse vous référer à mes anciennes vidéos, enfin anciennes vidéos, tout est relatif. À mes autres vidéos calendrier de l'Avent, si vous voulez voir le glossy box et le look fantastique. Et puis voir s'il y a dans mes calendriers de l'Avent un 25e jour ou si ça s'arrête vraiment au 24. Voilà, bonne soirée ou bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez bien sûr la vidéo. Bisous.